Hello beauty, bienvenue dans ce vlogmas numéro 11 déjà, épisode 11, oui, nous sommes déjà le 11 décembre. Ça passe tellement vite, nous sommes déjà quasiment à la moitié. Écoute, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, petite nuit, un petit souci intestinaux. Ça m'arrive des fois, voilà, je pense qu'on est beaucoup dans cette société moderne, avec le stress et l'alimentation et certaines intolérances, à des fois avoir des petits soucis au niveau gastro-intestinal. Oui, c'est bizarre comme début de vidéo. Je prends des probiotiques, je prends des choses avec, bah voilà, comme je te disais dans le vlog d'hier, qui d'ailleurs est quasiment monté, il faut que je l'exporte et que je l'upload, puis faire la miniature aussi. Mais comme je te le disais, bah, ça fait plus d'un mois que j'ai un peu lâché tous les soins, parce que voilà, j'ai cette pneumonie, cette opération, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, j'ai aussi pas trop pris mes compléments. Et du coup, bah, forcément, bah, il y a tout qui s'est un peu déréglé. Bref, je reprends en main les choses. De toute façon, cette fin d'année et 2024 sera l'année du glow-up, comme on dit. Ouais, ça sera l'année du glow-up parce que ben, il y a des choses que j'en ai marre, il y a des choses que je veux plus, et des choses que je veux manifester dans ma vie. Enfin, tu vois, tu seras au courant de tout ça. Bref, on va faire les calendriers de l'Avent, parce que c'est déjà tard et qu'il faut faire les calendriers. Enfin, il faut, c'est le moment de les faire. Et j'essaye un peu, du coup, de varier l'ordre, parce que j'avais tendance à faire toujours dans le même ordre. Et ben, du coup, aujourd'hui, on va commencer avec. On va commencer, je regarde juste que ça tourne bien. Oui, je ne sais pas pourquoi je tripe. On va commencer avec celui de chez Rituals. Alors, on va chercher la case 11. Je crois qu'elle est là en bas. Exactement, elle est. Ah, je vais essayer de te la montrer. La case 11 est là en bas. Et chez Rituals, on a. Oh, c'est un gros tube, dis donc. Et chez Rituals, nous avons. Je repose ça. Chez Rituals of Namasté, j'adore celui-là. C'est un gel nettoyant, enfin une mousse nettoyante. Nous sommes sur du 30 ml. Merci Rituals. On va tester ça le plus rapidement possible. On va continuer parce que je l'ai sous la main avec celui de chez Nuxe. Chez Nuxe, le 11, il est ici. Tac, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on a? C'est aussi un tube. Est-ce que j'arrive à le sortir facilement? Oui. Et je repose du coup vite ça là. Et chez Nuxe, nous avons un gel nettoyant et démaquillant visage. Rêve de miel. À croire qu'ils se sont donné le mot. Aujourd'hui, le lundi 11, c'est le jour du nettoyage. Donc un gel nettoyant chez Nuxe. Très très bien. On va continuer avec Biotherm. Écoute, allons-y. Le 11, il est là en bas chez Biotherm. J'espère que tu. Oula! Le 11, il est ici chez Biotherm. On ouvre. Et qu'est-ce que nous avons chez Biotherm? Je repose le calendrier. Alors, les lunettes. Et chez Biotherm, nous avons un soin fondamental repulpant pour tout type de peau, un petit flacon comme ceci. Donc voilà, et nous allons donc finir par l'Occitane. Chez l'Occitane, le 11, je l'ai vu, il est là en bas. Comment je vais faire ça? Il n'est pas très pratique à manipuler, hein. Donc chez l'Occitane, on est là en bas pour le 11, on ouvre. Tac. C'est un savon, je crois, de nouveau. Hop, je repose ça. Et donc, nous avons un savon parfumé. Barbotine, il s'appelle. Savon parfumé de l'Occitane en Provence. Écoute, c'est un joli format. Il fait combien? Est-ce qu'il y a le grammage?
Il fait 50 grammes, donc franchement, ça c'est cool. Donc un petit savon chez L'Occitane. Donc voilà pour le petit butin. Je voulais dire le petit butin du jour. J'enlève mes lunettes de nos calendriers de l'Avent de cosmétiques et de skincare. Je vais ranger ces calendriers, ranger ça, faire le réel et le short du coup pour Instagram et YouTube. Continuer l'export et du coup du vlog d'hier, que tu puisses l'avoir pour 18h. Que te dire d'autre? Il y a Quentin qui va gentiment revenir. Là, il est sorti. Il va gentiment revenir, on va manger. Et puis après cet après-midi, vu le temps qu'il fait, il fait pas très beau ici à Lausanne, il pleut beaucoup. Je ne pense pas que je vais aller en ville. On sait jamais, peut-être que tout d'un coup j'aurai la motivation, mais je pense pas. Je pense que, comme je te disais, j'irai plutôt voir si je fais pas mes petits achats en ligne plutôt. Et je vais vraiment essayer cette fois de faire ces fameuses oranges et peut-être ces biscuits, justement, vu qu'il fait pas très beau et qu'on va pas sortir. Donc voilà, tu verras bien. Je sais plus parler. Tu verras bien du coup ce qu'il y aura dans le vlog qui sera là tout de suite pour toi, tout de suite. Maintenant. Allez, on va enfin se faire ces rondelles d'orange depuis le temps. Donc, bah, évidemment, il te faut une orange. J'ai pris deux couteaux, celui-là, qui me fait toujours un peu peur. Et puis, j'ai pris le plus petit, si jamais. Alors, de ce que j'ai vu, déjà, tu coupes le petit cucu. Hop, parce que on n'en a pas forcément besoin des deux côtés. Je te jure, il me fait trop flipper ce couteau. Et après, bah, tu coupes des rondelles d'à peu près. Bon, bah là, pour le coup, je vais pas la garder parce qu'on a encore l'écorce.
Donc continuons. D'à peu près là, ça commence à devenir utilisable. Et l'épaisseur, je vais essayer de te montrer. Tu vois l'épaisseur à peu près. Je dirais quoi, 1 cm, je sais pas. Bref, continuons. En faisant attention de ne pas se trancher un doigt, n'est-ce pas? Ça serait quand même un peu con. Hop. Voilà, là, ils seront déjà plus jolis. Ah, ça sent bon l'orange. Alors, je t'avoue que mes tranches ne sont pas super droites, parce que je suis pas hyper à l'aise avec ce gigantissime couteau de cuisine. J'ai peur des trucs qui tranchent. Je ne suis pas à l'aise, mais je t'avoue qu'il coupe bien, donc ça va. Puis je vais essayer de couper un petit bout ici. Voilà. Donc au final, celui-là est toujours propre. J'ai pris mon petit chai dans ma petite tasse, tu sais, magnifique. J'adore cette tisane. Je regarde la montre. C'est pas parce que je regarde l'heure, parce que je regarde le retour de la caméra de l'iPhone. Donc bah tu vois, on en a. Ça nous fait des. Ah, ça sent bon l'orange. Des petites tranchettes comme ceci. J'ai vu qu'ils le faisaient pas tous, mais il y en a certaines ex qui passaient ça dans du papier ménage avant. Et je crois que je vais faire ça, je vais vite en chercher. Voilà, j'ai pris un peu de papier ménage. Je crois que vous appelez ça du Sopalin en France, mais je crois que c'est une marque Sopalin en fait. Hop, je vais déplacer toutes mes petites rondelles d'orange par ici. Ça, je vais mettre mon papier ménage sur ma planche à découper et je vais redisposer mes petites rondelles d'orange dessus comme ceci. Je pense qu'il faisait ça. Attends, je me rince juste les mains. Je pense qu'il faisait ça pour qu'elle faisait ça pour bah, enlever l'excédent de jus pour aider à bah, au séchage. Et du coup, le séchage se fait au four. Alors j'ai vu qu'il faisait ça à 60, 80 degrés pendant 6-8 heures. Je trouvais ça un peu long. Et d'autres qui faisaient ça à 100 degrés pendant 1 heure et demie. Donc on va opter pour la deuxième option. Je vais surveiller quand même, pas que ça crame. Du coup, je vais allumer le four. Haut et bas. Ils ont pas dit qu'il fallait mettre la chaleur tournante. Et je vais mettre. Pourquoi il y a de la peine à faire les mises au point, le petit? On va mettre donc 100 degrés. Haut et bas, je mets pas chaleur tournante parce que j'ai pas vu faire comme ça. Que je me dis qu'en chaleur tournante, ça peut être pas mal. Alors attends, j'ai pas l'habitude, j'utilise jamais chaleur tournante. C'est lequel le truc de chaleur tournante? C'est celui-là. Je crois que c'est ça, chaleur tournante. Puis ça, c'est chaleur tournante que le bas. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà, pendant que le four préchauffe, ça devrait pas prendre trop longtemps. Une petite gorgée de chai. Franchement, celui de Tekue, rose et vanille. Mais il est super bon. Je range le petit couteau qui est propre. Et j'ai vu qu'elle les retournait. Donc nous allons les retourner également. Vraiment, c'est, je pense, pour. Ouais, enlever cet excédent de jus d'humidité pour aider ensuite dans le four à ce que ça sèche plus rapidement. Ça, malheureusement, là, il n'y a pas de compost tout de suite, donc ça va être à la poubelle. Et bah, du coup, je laisse le four préchauffer et on se retrouve une fois qu'il est chaud. Voilà, le four est chaud, je les retourne une dernière petite fois. Hop, hop. Hop et hop.
J'appuie un peu et on va les disposer sur la plaque sur laquelle j'ai mis du papier cuisson, papier sulfurisé. Hop. Il y aura largement la place de toutes les mettre. Du coup, on va essayer de d'espacer au mieux. Comme ceci. Ça, on enlève. Je profite pour m'essuyer un petit peu les mains avec. Et on va pouvoir mettre ça au four qui est bien chaud à 100 degrés. Hop. Je mets ça à peu près. Je disais que je mets ça à peu près au milieu du four. Et du coup, comme je t'ai dit, ils disent à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Je pense que je vais vérifier à peu près toutes les demi-heures, peut-être les retourner à un moment donné. Et puis voir, voilà, les surveiller en fait, pour pas que ça brûle et que ça se déshydrate, que ça sèche correctement, pour qu'on puisse avoir ces fameuses rondelles d'orange séchées pour faire des petites décos, des petites choses pour Noël. C'est assez classique, assez traditionnel visiblement. Je surveille et je te montre tout ça au fur et à mesure. Voilà, ça fait à peu près 50 minutes, pas tout à fait 1 heure, que c'est au four. Alors clairement, je pense que tu le vois, ne sont pas correctement séchés. Je vais les retourner. Je pense qu'il va, ça va prendre encore un peu de temps cette histoire. Hop. Ça commence un peu à se déshydrater, on le voit à la partie blanche, mais on n'y est pas encore. Donc en effet, quand ils disent 1 heure et demie minimum, je pense que c'est bien 1 heure et demie. Donc refermons ça. Hop, c'est que j'avais baissé, c'était un peu à 90, là je remets vraiment à 100. Et on va recontrôler dans un moment. Du coup, tu as vu, j'ai monté un peu, j'avais peut-être à 90, j'ai monté bien pour mettre à 100. Ça fait à peu près 1 heure, donc je vais encore mettre, je pense, 40-45 minutes de timer. Et puis, on verra où ça en est. Voilà. Petit update des rondelles d'orange. Là, ça fait 3 heures en vrai qu'elles sont déjà là dans le four à 100 degrés. Je pense que tu vois, elles ont un peu séché, elles commencent un peu à brunir sur les, pardon, sur les côtés. Ce que je vais faire, je vais les remettre et puis je vais arrêter le four comme ça. Et puis, du coup, tu vois, hein, 3 heures quand même, c'est pas 1 heure et demie, 2 heures, hein, ça prend du temps. Je les laisse comme ça dans le four un moment que le four éteint. Je pense jusqu'à ce qu'on fasse le souper. On fait des endives au jambon ce soir, donc il y aura besoin du four. Et à ce moment-là, je les sortirai. Et puis s'il faut, je les laisse encore sécher un peu à l'air libre. Mais je te montre ça du coup tout à l'heure. Voilà le résultat après plus de 3 heures au four à 100 degrés. Je pense que tu entends. Alors certes, c'est encore humide hein, en vrai. Si tu touches là au centre, tu sens que c'est pas sec. C'est encore humide. L'écorce, la peau ont séché. Donc je vais laisser ça là pour cette nuit. Et je verrai demain, on verra demain s'ils ont bien fini de sécher pour que je puisse essayer d'en faire quelque chose. Donc surtout, abonne-toi pour ne pas louper le vlog de demain. Et voir si ça a séché durant la nuit. T'as vu comme je place ça? Nous sommes encore une fois de retour dans la salle de bain. Je voulais tester ce soir les petites lingettes. Tu les as vues si tu as vu le réel sur Insta du kit avec les masques de chez Sephora. Il y a aussi des petites lingettes nettoyantes. Je vais te montrer ça tout de suite. D'abord, je vais mettre mon petit sèche-tête que Nouchine a fait de ses mains. Oui, c'est elle qui a fait ça. Qu'elle m'a offert. Parce qu'à la base, on voulait se faire. Hop! À la base, on voulait se faire un swap en mode calendrier de l'Avent.
Mais comment dire, j'ai été un peu malade, hospitalisé, opéré, tout ça, donc j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Donc en fait, quand on se voit, on s'est échangé un peu ce qu'on a eu le temps de faire ou d'acheter. Et du coup, elle m'a fait ce serre-tête comme ça, qui est parfait pour mes petites routines. Donc, je reviens. Je te disais donc, bah, je n'ai pas mis de solaire, rien du tout de spécial sur mon visage aujourd'hui, puis que j'ai un peu la flemme de laver tout ça. Je me suis dit que c'était la bonne occasion d'essayer bah, les fameuses lingettes nettoyantes. Donc ça, c'est hydratant et nettoyant. Et il y en avait aussi une autre qui était adoucissant, enfin soothing, je ne sais pas comment traduire ça, lissant et nettoyant. Enfin bref, il est vraiment génial ce pack. Donc si tu veux le voir, va voir le réel sur Instagram. Tout s'affiche ici pour y aller. Et du coup, bah, on va tester ces lingettes, voir ce que ça vaut. Dis-moi si t'as la référence de celui qui fait ouverture. Eh bien non, je dois payer des taxes d'auteur à Antoine Bécotte. Si tu connais pas, va le découvrir. C'est un Québécois, je le trouve génial. Il a une énergie, je l'adore. C'est dommage, il a fait les Vlogtober, mais il fait pas les Vlogmas et j'aurais bien kiffé. Donc bah, c'est une lingette, hein, très classique, genre. Tu sais, genre les lingettes pour se nettoyer le derrière quand tu fais caca. Ça sent le frais, un peu les produits pour bébé, mais je sais pas, il y a quelque chose duquel je suis pas fan. Au niveau odeur, j'avoue, je suis pas méga fan. Alors évidemment, c'est pas écologique, tout ça, mais d'accord, hein. Mais si tu es en déplacement, en voyage, en camping, ou comme là, que tu as la grosse flemme, bah écoute, je trouve que ça fait la blague. En plus, alors je vais juste bien refermer le truc, parce que ça, c'est le problème avec ces paquets, c'est que ça sèche si tu refermes pas ça très bien. C'est quand même 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc franchement, c'est cool. Il y en a 10. Et c'est de la fibre d'origine végétale. Lingette démaquillante hydratante. Alors, démaquillante, ok. Alors, j'essaierai de me démaquiller une fois où je serai maquillé avec ça. Je suis pas sûr que ça démaquille des masses, mais en anglais, c'est marqué cleansing wipes. Cleansing, c'est nettoyant. Pour moi, c'est lingette nettoyante. Visage et yeux, qu'est-ce qui marque d'autre? À l'extrait d'aloe vera. Donc, c'est plutôt pas mal. Conseil d'utilisation. Prenez délicatement la linge. Passez délicatement la linge sur les visages et les yeux. Inutile de rincer. Bah, tant mieux quand même. Ah, bien refermé. Oui, après l'usage. Bah oui, ce que je te disais. Sinon, ça sèche. Bah écoute, l'odeur, au final, je m'y habitue. C'est pas horrible. L'autre, ce que je te disais là, qui est un peu soothing and cleansing wipes. Ça a noix de coco, visiblement. C'est pas ultra imbibé, mais je trouve que ça va, en fait, c'est suffisant pour ce que ça doit faire. Hop. Tac, un petit peu derrière les oreilles, souvent là, c'est là que ça s'accumule un peu durant la journée, je trouve, là, la poussière ou je sais pas quoi. Hop. Bah écoute, j'aime bien. Comme j'ai dit, ça fait la blague quand on a la flemme de se nettoyer avec le nettoyant comme il faut. Du coup, bah, je vais passer à ma petite skincare que tu connais déjà, donc je vais passer tout ça en accéléré. Thank you.
Voilà, bah, j'ai pas mis le micro parce que j'ai rien où le mettre. Ça m'embête de le tenir comme ça. En plus, j'ai ma petite tasse trop mimi avec une infusion de Yogi Tea. C'est gingembre, orange, vanille. Et puis moi, je rajoute un peu de sirop vanille monin. C'est super bon. Du coup, c'est très agréable comme ça pour le soir. Donc voilà, moi je vais mettre fin à ce vlog ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas trop combien de temps il va durer, mais ce n'est pas très grave. Il est déjà genre 22h30, peut-être même un peu plus tard. Donc je vais gentiment peut-être commencer le montage, mais je pense que je le ferai surtout demain dans la matinée. Je vais continuer à regarder aussi des Vlogmas. J'ai regardé celui de Salomé et là je suis sur celui de Toto. C'est Toto, sa chaîne, et peut-être encore relire un peu, chiller tranquillement avant d'aller faire dodo. Donc voilà, en tout cas, bah, si tu me découvres par cette vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications, laisse un petit commentaire dans la bienveillance, partage la vidéo avec tes proches si tu penses que ce genre de contenu peut leur plaire, et puis bah, rejoins-moi sur Instagram, ça s'affiche ici. Et puis ben, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Et on se retrouve demain pour la suite des Vlogmas. Alors je te dis à demain. Ciao ciao.